après Jazz Val Thorens, Jazz à Nouméa, Jazz sur la Lune. Non, je plaisante pas. Alors, je m'appelle Damien Gomez, je suis musicien, saxophoniste et j'enseigne à l'école de musique de Chasse-sur-Rhône où je suis directeur et au conservatoire de Vienne aussi. Ouais, très bien. C'était avec le collège 94-95 pour une comédie musicale qui s'appelait Jazz à l'âme. On avait chanté dans le jardin de Cybèle. Et ça, c'était mon premier souvenir de participant. Mon plus gros premier souvenir de jazz à Vienne, c'est Sonny Rollins. Là, ça a été un déclic. J'ai vu ce concert en 98, je crois, au Théâtre Antique. 3h30 de concert, tout seul sur scène avec son groupe. Ça s'arrêtait jamais et j'ai l'impression que ça avait duré 20 minutes. Pour moi, c'est un petit lieu de concert de 10 000 personnes. C'est-à-dire, c'est immense et à la fois, c'est super intime. Enfin, c'est l'impression que j'ai, même quand c'est plein, on a l'impression d'être dans un petit club, on a l'impression d'être à côté des gens et de tous vivre un moment unique. Alors, Sonny Rollins, RH Factor, 2003, la première fois qu'il est venu à Vienne, concert monstrueux. Pareil, ça avait été une grosse claque, c'était le début de son projet, enfin, c'était vraiment... Il était venu avec toute l'équipe, là, c'était énorme. Chris Potter Quartet au club de minuit. Puis de le voir si près, il y avait très peu de monde dans le club. J'étais arrivé tard dans le concert. Pareil, l'impression de pas être à Vienne. Et il était à côté de nous, c'était un concert énorme et moment privilégié. Enfin, j'ai un super souvenir de l'atmosphère de ce concert. Alors moi, au-delà des concerts que j'ai fait jazz à Vienne, j'ai côtoyé l'Académie. C'était pendant des cours de jazz, pendant une école de jazz, pendant la quinzaine du festival. Et on se retrouvait tous les étés, toute une bande de musiciens des écoles de musique viennoises. Et pareil, ça a vraiment contribué à ce qu'on ait beaucoup à en faire notre métier maintenant. On vivait des trucs incroyables, on avait des masterclass de fous. Je crois que c'est dans les années 2000, ils ont proposé, Jean-Paul Boutelier, de monter un big band. On commence à faire des petits concerts dans le coin, puis ben... Cerise sur le gâteau, on nous a proposé d'aller jouer, de partir 10 jours à New York en tant que big band de jeunes de jazz à Vienne. On a fait un concert. Bah, c'est un souvenir, j'ai même pas d'adjectif assez puissant pour définir ce moment qu'on a vécu tous ensemble là-bas, quoi. Mais je pense que pour nous tous, ça a été vraiment une période qui a fait que ouais, c'est ça qu'on veut faire. Donc merci Jazz à Vienne. Un peu tous les projets pédagogiques que je peux faire avec l'école où j'enseigne, les écoles où j'enseigne, qu'on fait à Cybèle. C'est à mon tour d'essayer humblement de semer des graines et peut-être qu'il y en a qui garderont d'aussi beaux souvenirs des projets pédagogiques, des concerts qu'on propose aux jeunes. Sans dire qu'ils en feront le métier de musicien, mais ça marquera une période de leur vie et que plus tard, ils seront les futurs spectateurs de tous les concerts. De continuer à faire fonctionner ce beau mélange entre mégastars du jazz, artistes en devenir, projets pédagogiques. Voilà, que le jazz est à tout le monde. Amener le jazz partout pour tout le monde